As-tu déjà connu ou vécu un coup de foudre? Ce tourbillon inattendu, surprenant, instinctif, passionnant qui nous emporte? Ce moment où tu es émotionnellement obsédé par l'autre, tu ne dors plus, tu ne manges plus, tu penses à lui à tout moment. Si c'est le cas, reste scotché à cette vidéo, car le sujet abordé sera l'amour entre un copain et une copine, l'amour entre un conjoint et une conjointe, l'amour entre un époux et une épouse, bref, l'amour entre deux personnes. Comment maintenir cette relation passionnelle, intense, en relation affective et durable? Nous allons l'aborder tout à l'heure. Lorsque nous parlons d'une relation affective et durable, nous parlons de l'amour. L'amour qui est un pouvoir, c'est-à-dire l'amour n'est ni bon ni mauvais. L'amour qui fait qu'une relation puisse être intense, au point où des personnes décident de vivre ensemble, décident de ne plus se quitter, décide même de se marier. Ce même amour aussi, malheureusement, pousse aussi des gens à se détester et même souvent à se faire du mal. Dans le cas, par exemple, du coup de foudre, nous sommes généralement poussés vers l'autre sans esprit de raisonnabilité. Généralement, nous cherchons à combler une solitude. On ne cherche pas nécessairement le développement ou le bonheur de l'autre. On cherche vraiment à combler ce désir que nous ressentons au plus profond de nous. D'ailleurs, les chercheurs disent que cet état euphorique dure 2 ans. Et après ces 2 ans, on redescend de notre nuage, on regarde l'autre sous son vrai visage. On remarque même des imperfections qu'on ne regardait pas forcément au début de la relation. Et cet amour passionnel, instinctif, intense, n'est pas canalisé durant cette relation. Elle n'est pas canalisée tout simplement parce que on n'a pas appris à aimer. On ne sait pas c'est quoi aimer. C'est pour ça d'ailleurs que je fais cette vidéo, pour parler des langages de l'amour, qui fera référence au livre de Gary Chapman, qui dit que l'amour se décline en 5 langages, à savoir le premier langage d'amour énoncé par le docteur Gary Chapman, ce sont des paroles valorisantes. Il y a des personnes pour qui l'amour ne va pas de pair sans les mots. Ils ont besoin d'avoir des mots d'encouragement, des mots valorisants et des mots d'amour. Ils veulent entendre par exemple oh, « T'es magnifique, t'es mon roc, tu es mon soutien. » Autrement dit, l'amour rentre par les mots. Le deuxième langage d'amour, ce sont des moments de qualité. Des moments de qualité, ça veut dire passer du temps avec la personne qu'on aime. Accorder du temps, regarder la personne yeux dans les yeux. Arrêter tout ce qui est télé, tout ce qui est téléphone portable, tout ce qui est internet. Conserver ce moment précieux. Ça peut être une balade,
Ça peut être un dîner romantique, ça peut être un tête-à-tête. Pour eux, l'amour passe vraiment par des moments de qualité. Le troisième langage d'amour, c'est tout ce qui est cadeau. Ce n'est pas nécessairement tout ce qui est cher. Le cadeau ici se matérialise par un symbole que la personne peut porter, un symbole que la personne peut accrocher. Ça peut être une bague, ça peut être un dessin qu'on fait à la personne. Dans ce cas de figure, la personne s'accroche sur ce symbole palpable pour pouvoir exprimer, pour pouvoir se sentir aimé. Quatrième langage d'amour, ce sont des services rendus. Vous savez, on a tous besoin d'un service ou d'une aide d'une personne. Et généralement ici, l'amour va se manifester par des services rendus tels que faire la vaisselle, sortir les poubelles, arranger la voiture, accompagner les enfants à l'école. Et ici, l'amour, c'est le fait d'aider la personne dans son quotidien. Et ce langage d'amour est généralement beaucoup prisé par des personnes qui estiment qu'en apportant l'aide au quotidien de la personne, c'est ça l'amour. Et le dernier langage d'amour, ce sont les touchers physiques. Il y a des personnes qui aiment être câlinées, qui aiment un petit bisou au cou, qui aiment un moment où on passe la main autour de la hanche. La personne se sent aimée, la personne se sent désirée. Alors, voilà les cinq langages d'amour décrits par Gary Chapman. Un grand philosophe a dit, comprendre, c'est savoir ce que l'on reçoit. Parler, c'est savoir ce que l'on donne naturellement. J'espère qu'à travers cette vidéo, tu sais maintenant les cinq langages d'amour qui peuvent exister. Je t'invite à ne pas te stresser, à ne pas te braquer, à t'ouvrir, car l'amour reste quand même la chose la plus belle dans ce monde. Pose-toi donc la question, dans ma vie actuelle, dans mes relations importantes, qu'est-ce qui me manque généralement le plus? Répondre à cette question te permettra indirectement de savoir c'est quoi ton langage d'amour. Une fois que tu as cette réponse, profite également pour te poser la question, c'est quoi le langage d'amour de la personne avec qui je vis? À quoi correspond son langage d'amour? Car connaître le langage d'amour de l'autre te permettra de bâtir une relation solide, une relation passionnante, une relation riche. L'amour sera ainsi ce levier qui te pousse à chercher le bonheur de l'autre, qui te pousse à ne pas jouer un rôle. Maîtriser ton langage d'amour et celui de ton conjoint te permettra de bâtir une vision, de bâtir un foyer, de bâtir un amour solide. L'amour ne deviendra plus une contrainte, mais ce château en pierre que vous voudriez construire. J'invite d'ailleurs à lire vraiment ce livre avec ta copine, avec ton conjoint ou avec ton épouse. J'espère que cette vidéo va t'aider à comprendre et à améliorer ton rapport d'amour avec l'autre. Si c'est le cas, je t'invite à la partager. C'est le seul moyen que tu peux m'aider ou me remercier. Je te dis à très bientôt pour une vidéo astuce. Au revoir.